Donc là ici c'est atelier vannerie, panier. Donc on utilise des rances. On utilise des rances pour faire un panier. Le sanglier. Voilà, le petit sanglier, petit marcassin. Hop. Il était abandonné, on l'a récupéré. Toi tu vas travailler comme ça sans qu'elle casse. Ça tu la prépares. Voilà. Et tu fais ça pour là, tu vois déjà celle-là, je sais que je vais la tourner sans casser. Croisé. D'accord. Ensuite, avec celui-là qui va servir de tressage, mais il en faudra d'autres. Mmh. Tu le passes ici, tu l'enfiles. Comme ça. Ensuite, tu vas venir faire le tour de ces trois-là. Ces trois tiges. Et tu croises. Ok. Ensuite, tu fais pareil le tour de ces trois tiges ici. Tu croises. D'accord. Tu continues. Tu croises. Tu fais le tour. T'englobes. T'entoures. Ces trois tiges. Et tu recroises. La même chose ici. Ok. Là. Ça marche. Ça, c'est la première étape. Tu vois déjà, bon, là il faut serrer, hein, j'ai pas serré. Ça c'est la base du panier. Une fois que tu as fait le tour de ces trois tiges en croisant, tu t'occupes maintenant qu'une une tige par tige. Tu tournes, tu croises, tu tournes, tu croises, tu tournes une tige par tige. Encore. Et rapproche. Et voilà. Je viens pincer avec la main gauche ici. Ma boucle. Voilà. Et là, je m'occupe de celui qui est au-dessus. Le brin du dessus. Le brin du dessus, je fais un tour. Avec mes doigts. Ce brin du dessus, je le passe en dessous en pinçant le majeur et le dos de l'index. Hop! Et dans le sens inverse, je ramène celui du dessus. Qui se retrouve maintenant au-dessous. L'ortie, de toute façon, c'est la meilleure fibre et plus résistante. J'aurais pu prendre comme ça. Ça fait plus épais. Et là, je commence. Ok? Tu peux aussi, par exemple, une fois que tu fais des petites fins comme ça, tu peux doubler les cordes que tu as finies. Donc tu as fait une, et après le principe de torrent, tu peux faire 3 torrents, 2 torrents. Plus tu auras de torrents, plus la corde sera épaisse. Okay. Donc ça, l'idée, après, une fois que tu arrives au bout de ce que tu as en fibre, en fait, tu viens intégrer une fibre comme ça, la tourner et continuer ton travail. Voilà. Et comme ça, tu peux rallonger. Tu peux autant que tu veux. Okay. Bien. Donc en fait, plus t'as d'ortie, plus tu peux faire des trucs longs, des trucs gros, Voilà, c'est ça.